Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler points de pression. Donc, ce sont les points de pression que j'ai utilisés pendant mon accouchement. Donc, je vous avais promis cette vidéo depuis hyper longtemps, je sais. J'ai mis vraiment du temps à vous la faire. Au début, j'étais un petit peu réticente parce que je me demandais si vraiment c'était mon rôle de parler de ça parce que je ne suis pas du tout une professionnelle, on est d'accord. Mais je tenais quand même à vous présenter les points que moi j'ai utilisés pendant mon accouchement et qui m'ont vraiment, mais énormément, énormément aidée. Faut savoir que ces points de pression-là vont vous permettre d'accélérer le travail, intensifier les contractions, ça va dilater votre col et ça va également permettre de retirer la partie supérieure de la douleur de vos contractions. Donc pour rappeler un petit peu l'historique, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo où je vous raconte mon accouchement ultra rapide, on va dire en 3 heures pour mon premier enfant, donc j'ai utilisé ces points de pression-là pendant tout le travail. Et j'ai eu un accouchement vraiment génial. Ça m'a beaucoup, 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 beaucoup aidée. Je ne jure que par ça. J'en parle à tout le monde. Je demande vraiment à tout le monde d'essayer de les faire. Donc je vais vous en parler dans cette vidéo-là. Petit bémol, si vous êtes enceinte et que vous n'avez pas atteint vos 40 semaines, s'il vous plaît, n'essayez pas ces points de pression maintenant. Vous pourriez déclencher votre travail, donc vous ne voulez pas faire ça, bien évidemment. Faites-les sur votre conjoint, faites-le sur une copine, mais ne le faites surtout pas sur vous-même. Donc, comme vous le savez, si vous avez vu ma vidéo, j'ai donc perdu les os à minuit. Je suis partie à la maternité, je suis revenue à la maison parce que je n'étais pas suffisamment dilatée et c'est comme ça qu'on fonctionne ici. Donc, je suis rentrée à la maison. Et puis donc à cette époque, à ce moment-là, vers les 9 h du matin, j'avais des contractions assez régulières toutes les 3 minutes, qui sont descendues à toutes les minutes. Et puis tout d'un coup, ça s'est un petit peu arrêté. C'est passé encore à 3, puis à 5, et puis après toutes les 10 minutes. Donc j'ai fait mon tout premier point de pression. Enfin, c'est mon conjoint, mon mari qui me l'a fait. Ce premier point de pression-là, il a été expéditif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on me l'a fait, j'ai senti comme un cloque dans mon bas-ventre et là les contractions sont arrivées de manière beaucoup beaucoup plus intense. Donc je vous montre ce point de pression-là. Alors le point que vous recherchez se trouve donc sur votre cheville du côté intérieur de votre jambe. Ici vous avez l'os, le petit os de votre cheville. De là vous prenez 3 ou 4 doigts juste au-dessus. Donc ça se trouve à peu près par là. Vous suivez l'os qui remonte de la cheville et vous allez trouver un petit trou, un point très sensible sur lequel vous allez pouvoir appuyer longuement et répéter l'action. Donc en parallèle de ce point de pression, donc mon conjoint m'appuyait sur ce point-là et en même temps, il y a un deuxième point qui se trouve sur votre main qui fonctionne très bien et généralement on le marie ensemble. On peut le faire individuellement si vous êtes toute seule, vous pouvez le faire toute seule, mais c'est l'idéal de le faire ensemble. Et en fait, ça se trouve, vous voyez, quand vous fermez votre main comme ça, en fait, vous avez un os de chaque côté ici. Et en plein milieu de l'os, où vous avez en fait la plissure de votre main, je ne sais pas si vous le voyez bien, voilà la plissure de votre main ici, vous avez un point. Voilà. Donc typiquement, c'est ici. Alors rappelez-vous que les points de pression, ils doivent être toujours un petit peu sensibles. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit un point où vous ne sentez rien. Il faut que ça vous fasse un petit peu mal. C'est comme un petit creux et vous allez sentir une petite douleur quand vous appuyez dessus. C'est le point que vous recherchez. Donc vous faites alternativement une jambe, l'autre jambe, la main, vous changez. Faites une pression assez longue et puis vous relâchez. Une pression encore assez longue et vous relâchez. Et vous faites ça autant de fois que vous voulez. Donc ça, c'est le tout premier point que j'ai essayé. Une fois que je suis donc allée à la maternité, et surtout quand les contractions sont arrivées vraiment très intensément, nous avons utilisé deux points supplémentaires. Le premier point que je vais vous montrer maintenant, il est utilisé également pour dilater le col de l'utérus, plus pour couper la partie supérieure la plus intense de vos contractions. Et alors celui-ci se trouve au niveau de l'épaule, donc je me tourne pour vous montrer. Donc vous prenez ici... Vous voyez, vous prenez ici l'os et puis le coin de votre épaule et le point se trouve en plein milieu. Donc, je réitère, c'est un point qui vous fait mal, c'est sensible, enfin mal, c'est sensible, c'est normal, c'est celui-ci qu'il vous faut. Si vous n'avez pas du tout de sensation, ce n'est pas le bon point. Donc, demandez à votre conjoint d'appuyer des deux côtés
sur les deux épaules à cet endroit-là, idéalement quand vous expirez. Quand vous inspirez, on relâche la pression et quand on expire, on réappuie, on refait de la pression. Celui-ci, je pense que c'est celui qui m'a le plus aidé parce que c'est vraiment celui qui a permis d'accélérer le travail et d'avoir un accouchement assez rapide, donc comme je vous le disais, en 3 heures. Et puis finalement, le tout dernier point que nous avons utilisé, c'est quelque chose qui se trouve en bas du dos sur les lombaires. Et en fait, quand vous descendez la colonne vertébrale et que vous arrivez au niveau du sacrum, qui vont être très sensibles encore, toujours chercher ce petit creux. Et là, vous allez pouvoir appuyer. Et ce point-là, je l'ai utilisé plutôt quand j'étais en plein travail pour calmer la douleur. Donc celui-là, il est spécifiquement utilisé pour calmer la douleur, alors que les autres sont plus pour accélérer le travail et permettre que le col se dilate correctement. Donc sur ces trois points-là, vous allez pouvoir faire des pressions assez poussées, assez longues. Vous relâchez, vous refaites ça plusieurs fois, autant de fois que la maman le veut. Sauf donc les deux derniers points que je vous disais ici sur les épaules et dans le bas du dos. Il faut les faire idéalement quand, enfin moi je les ai utilisés idéalement quand la contraction arrivait. Donc ça permettait vraiment de relâcher le top, c'est-à-dire qu'on sent la contraction bien évidemment. Mais le moment le plus difficile, il est comme rabaissé, comme coupé. Donc ça permet vraiment de passer plus facilement le moment de cette contraction-là. Ce sont donc trois points qui sont très simples à effectuer, il n'y a pas de complications réelles. Également, alors un petit détail quand même, le point que je vous ai donné tout au début qui m'a permis moi de relancer le travail et d'accélérer, d'intensifier les contractions, vous allez également pouvoir l'utiliser pour le placenta, c'est-à-dire que si vous avez accouché, que votre placenta tarde un petit peu à venir et que vous ne voulez pas l'injection, vous ne voulez pas donc l'hormone qui permet d'expulser le placenta, vous pouvez simplement réutiliser le même point. Donc c'est ce que moi j'ai fait, mon placenta descendait pas automatiquement et j'ai refusé l'injection, je n'en voulais absolument pas. Donc on a fait ce petit point là, donc la cheville avec la main et le placenta est sorti mais dans les quelques secondes qui ont suivi. Donc c'est vraiment quelque chose qui fonctionne pour l'avoir essayé, je vous le conseille mais hautement, je pourrais pas... C'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Et ça permet aussi, un bon côté, c'est que les papas ou la personne qui est avec vous pendant l'accouchement, généralement ce sont les papas, ils se sentent aussi inclus dans le moment. Donc on a besoin d'eux pour faire ces points-là, ils savent calculer le moment idéal pour le faire et je trouve que c'est quand même un bon moyen aussi de les intégrer dans ce moment particulier de la naissance d'un enfant. Donc si vous avez des nouvelles questions, n'hésitez pas à me les poser. Si besoin est, je referai une nouvelle vidéo avec un modèle pour que comme ça soit vraiment plus clair. Mais je sais que certaines mamans attendaient avec impatience cette vidéo, elles vont avoir des enfants bientôt. Donc je ne voulais pas traîner non plus pour vous la faire, je voulais vous donner déjà un aperçu de ces points-là. Et puis voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut si vous avez apprécié cette vidéo et que vous la trouvez utile. Et n'hésitez pas à vous inscrire. Ciao, ciao!